je veux faire passer, c'est un message très positif. Il n'y a pas de fatalité. Effectivement, on le voit à travers votre micro-trottoir, il y a une attente de la part de nos concitoyens, mais pas qu'au niveau de Marseille, hein, c'est au niveau national, de pouvoir avoir des infrastructures sécurisées pour se déplacer en mobilité active. Et ça ne, on ne limite pas cela simplement à des déplacements occasionnels. C'est avant tout des déplacements du quotidien. Et ça, il faut le dire, il faut le mettre en avant. Promouvoir la mobilité active, c'est aussi promouvoir le bien-être au travail. Parce que lorsque vous allez en vélo au travail, eh bien, vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir justement travailler. Donc, il y a vraiment aussi une question de santé au travail. Donc, on a souhaité, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée il y a déjà un an, mettre le vélo comme, en fin de compte, au cœur de ces mobilités actives. Donc, on va se concentrer sur le sujet du vélo dans le cadre de l'intervention de ce jour, mais il y a plein d'autres sujets dans cette loi d'orientation des mobilités. Le sujet du vélo, il est abordé notamment dans le titre 3 de cette loi, puisque nous avons mis en place le forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, c'est 500 euros par an pour des salariés, 200 euros dans les collectivités notamment, pour pouvoir laisser sa voiture au garage et venir en vélo au boulot. Et ça, c'est soumis avant tout aux discussions au niveau des partenaires sociaux. Je tiens à le dire, notamment la commune de Pélissanne a déployé ce forfait mobilité durable. C'est une excellente chose. Et l'ensemble du personnel municipal se réjouit d'avoir un forfait mobilité durable. Pélissanne est une des premières communes en France à cette saisie de cette opportunité offerte par la loi d'orientation des mobilités. Mettre en avant le vélo dans la loi, c'est aussi faire en sorte que on puisse garer son vélo à proximité de points stratégiques, notamment des gares. Et donc, on a mis dans la loi des obligations de manière à ce qu'il y ait des installations sur ces lieux stratégiques. On a aussi mis en place, dans cette loi d'orientation des mobilités, la possibilité de pouvoir avoir des emports vélos derrière des bus, derrière des autocars. Et je sais que ça a été le fruit de nombreuses discussions parce que quand on parle de l'emport des vélos, on n'imagine pas aussi toutes les difficultés, notamment pour les bus, notamment pour tous ceux qui gèrent au final ces bus, de pouvoir mettre en place ce type de mesures. Donc c'est un point important. Le sujet de l'emport vélo, c'est aussi l'emport de vélo dans les trains. Là aussi, un travail a été fait avec la SNCF de sorte à ce que on puisse emporter jusqu'à 8 vélos dans les TER. Dans la loi d'orientation des mobilités, on a souhaité mettre en place aussi un dispositif qui s'appelle le programme Savoir rouler, c'est-à-dire faire rentrer le vélo à l'école, avec, à travers des associations, un travail mené par les enseignants qui font un travail exceptionnel au quotidien et qui sont là aussi pour, eh bien, accompagner les élèves dès le plus jeune âge dans l'apprentissage du vélo. Et puis, je crois que le nerf de la guerre, au final, hein, c'est l'infrastructure. Je pense que, à travers les échanges que nous allons avoir et que nous avons déjà eus, on voit que le sujet de l'infrastructure est essentiel. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place le plan vélo, 350 millions d'euros avant la crise sanitaire, hein, qui était avant tout destiné à pouvoir accompagner les collectivités dans le déploiement de ces infrastructures. Et puis, dans le cadre du plan de relance, 200 millions d'euros supplémentaires ont été mis sur la table, dont 100 millions d'euros destinés notamment aux régions afin d'équiper notamment 1 000 gares en stationnement sécurisé. Ce qu'il faut dire aussi pour accompagner cette dynamique-là, c'est qu'on s'appuie notamment sur France Mobilité. France Mobilité est là pour assurer ce que j'appelle moi le service après-vote de la loi d'orientation des mobilités. Accompagner les élus de manière à ce qu'on puisse ensemble, main dans la main, pouvoir déployer des pistes cyclables. Parce qu'il faut le dire, et ce n'est pas pour défendre la mairie de Marseille, mais on ne déploie pas
on ne déploie pas des pistes cyclables du jour au lendemain. Ça nécessite un peu d'ingénierie. Et si on veut déployer des pistes cyclables à la portée de tous, mais surtout sécurisées, ça demande un peu de temps de concertation et de travail main dans la main avec les différents acteurs. Et je sais que les services de l'État, notamment l'ADREAL, sont à la manœuvre pour pouvoir déployer justement à la fois cette volonté du législateur, mais aussi les différents plans, notamment le plan bilan. Merci Jean-Marc. Juste, vous ne parlez pas du forfait réparation aussi, là, les 50 euros. C'est un point essentiel, travailler avec Elisabeth Borne pendant le premier confinement, 50 € pour pouvoir justement réparer son vélo, et on a mis en place des réparateurs agréés qui sont là pour vous accueillir. Et donc ça met non seulement en avant des réparateurs qui font là aussi un travail de grande qualité, des réparateurs, on aime beaucoup les commerces de proximité, mais il faut les mettre en avant. Et puis à côté de ça, ça permet de sortir des vélos qui sont souvent à la cave, et où il faut changer une chaîne, changer un dérailleur. Et ces 50 € sont là pour ça. Et donc normalement, il devait s'arrêter en janvier 2021. Et avec Barbara Pompili, on a œuvré de sorte à ce qu'on ait le budget nécessaire de manière à pousser encore ce dispositif jusqu'à mars 2021. Donc ne tardez pas, profitez de ce coup de pouce vélo permettant justement de remettre son vélo sur les pistes cyclables de notre beau territoire. Merci pour cette aide, d'ailleurs, dont le succès a été assez inattendu. Je crois, je ne sais pas si vous avez les derniers chiffres, mais il a explosé en termes. Alors, oui, et donc on s'est retrouvé rapidement avec des ruptures de stock, notamment de chaînes, de freins, etc. Donc c'est aussi un gros travail que l'on a fait avec l'ensemble du réseau des réparateurs à l'échelle nationale. Bravo à eux, mais voilà, continuons ensemble à porter cette dynamique autour du vélo pour tous. Donc, vous avez tous compris, hein, c'est avant fin mars, il faut en profiter. Sortez les vélos des garages et des caves et faites travailler l'artisanat, les boutiques locales pour réparer tout ça, en attendant les pistes, en attendant de pouvoir vraiment circuler.